de l'année. Je vous souhaite à tous Shana Tova, que des bonnes choses. On reprend l'année prochaine plus fort que jamais. Il y aura encore plus de monde, beaucoup d'activités, des Shabbat plans en préparation. Vraiment, il y aura des très grosses activités qui se préparent. Donc, on vous attendra encore plus nombreux que, on va dire, que cette année passée. À tous, je vous souhaite Shana Tova, qu'on se retrouve que dans les joies. Je vous souhaite la Tzlacha, la santé et beaucoup de bonheur. C'est un plaisir d'accueillir Rav Nissi Massouline qui était venu l'année dernière nous donner cours. Et c'est, voilà, ça m'a réitéré la chose, car vraiment c'était un cours très percutant. Et c'est bien de faire des cours percutants la veille de Rosh Hashanah pour bien comprendre ce qui va se passer demain soir. Car il y en a beaucoup qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est, ou qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, pourquoi tout ça, etc. Donc c'est vraiment un cours percutant qui va être très sympa, je le sens. Bien, okay. Merci beaucoup, avec. Merci bien. C'est un plaisir de venir pour moi donc la veille de Rosh Hashanah pour venir donc pour moi me renforcer, et je remercie donc Nathaniel et Ilan donc de me convier. Alors donc Be'ezrat Hashem, que je puisse revenir très souvent. Amen. Be'ezrat Hashem. Alors vous savez, demain c'est un soir très spécial, très spécial. C'est à tout ce qui s'est passé cette année, c'est à la guerre à Gaza. Les bombardements, tout ce qui s'est passé a été décrété il y a un an à Rosh Hashanah. Tout est décidé. Est-ce qu'on va être en bonne santé, en mauvaise santé? Combien on va gagner d'argent? Ou est-ce qu'on est parti en vacances? Tout est décidé à Rosh Hashanah. Et c'est Hachem qui fixe tout cela. D'accord? Donc c'est très important de se préparer à ce jour. Surtout de savoir qu'est-ce qui se passe, quel est notre devoir ce jour-là. Quel est notre devoir ce jour-là? D'accord? On dit que le Pléiorès nous dit comme ça que tout dépend. Hachem, le jour de Rosh Hashanah, c'est comme une lumière. On dit que les David Ori, c'est ma lumière. J'aimerais savoir sur quoi Hachem nous éclaire à Rosh Hashanah. Il nous éclaire. Sur quoi est-ce qu'il nous éclaire à Rosh Hashanah? Et quel est notre devoir ce jour-là? On est à 24 heures de ce jour-là. C'est un compte à rebours, vache. Et donc, sur quoi on est jugé? Donc, avant de parler de Rosh Hashanah en lui-même, permettez-moi de vous parler de la période que nous allons vivre maintenant de demain soir jusqu'à Yom Kippour. C'est-à-dire il y a 10 jours qui s'appellent les 10 jours de pénitence, d'accord? Et c'est des jours qui c'est très important de réfléchir là-dessus, sur la portée de ces jours, d'accord? S'il y a une personne qui veut que j'arrête, qui a des questions, qui m'arrête, il n'y a pas de problème. Le cours est très court, je peux dire ça en une demi-heure, et si je voulais que je continue, vous me direz vous-même, mais moi je vais parler une demi-heure, d'accord? Mais c'est un résumé, ce cours en fait, logiquement c'est un cours qui durait 2-3 heures, mais je le résume en une demi-heure. La portée, il y a 10 jours de pénitence qui commence demain soir et qui termine à Kippour. Je peux vous poser une question. Depuis quand la tchouva dépend-elle des jours? Je pense que si vous venez à un cours, c'est qu'en fait, il y a un devoir de faire tchouva chaque jour. On s'est marqué dans les maximes des pères. Tu dois faire tchouva un jour avant ta mort. Comme tu ne sais pas quand tu dois faire tchouva, quand c'est quand le jour de ta mort, tu dois faire tchouva chaque jour. Donc, pourquoi la tchouva est-elle cantonnée à 10 jours? Mais la tchouva, elle n'est pas limitée à Dieu. Toute l'année, on va faire tchouva. Quoi? C'est comme si maintenant on dit, voilà, de Rosh Hashanah à Kippour, tu dois faire tchouva, tu dois revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et le lendemain, tu fais les 400 bouts. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'aimerais savoir en quoi la tchouva dépend-elle des jours. Alors regardez, c'est très important à savoir cela. Les 10 jours que nous allons vivre sont 10 jours d'une importance capitale. Tout se joue dans ces 10 jours. Tout se joue là-dedans. Tous les niveaux qu'un homme atteint dans l'année, viennent parce qu'il y a eu les 10 jours de pénitence. Même si on ne le voit pas, même si on n'a pas l'impression que c'est ça. Tous les niveaux de qu'on atteint durant l'année viennent parce qu'il y a eu Asaret et Metshuva, les 10 jours de pénitence. Regardez, je suis certain, qui peut me dire qui est arrivé à ce... Qui est venu étudier cette année, qui a commencé à venir étudier dans ce groupe de Koulalou cette année, qui a commencé? Levez le doigt. Quand vous avez commencé? Vous êtes mademoiselle? Mais alors, moi c'est Nissi Massouline. Moi j'ai commencé la semaine dernière. Alors très bien, vous voulez que je vous fasse je vous dise un secret, madame Bellamou? Il faut savoir, si vous êtes venu étudier la semaine dernière, c'est parce qu'il y a un an, dans les 10 jours de pénitence, où vous avez prié pour un jour vous rapprocher d'Hachem, où vous avez prié pour venir à des cours, j'aimerais bien aller à un cours, vous l'avez formulé, vous êtes... Et ça, il y a eu des retentissements après. Et moi, je vous donne des preuves. J'ai un ami qui m'a dit comme ça, Nissi, tu sais, j'arrive pas à étudier. Je suis embêté, je travaille sans arrêt. Écoute,
Je me suis fixé d'étudier pendant les 10 jours de pénitence le matin après j'ai eu au boulot. Il m'a dit toute cette année j'ai pu étudier. Une autre personne qui est venue la première fois étudier il y a 4 ans, mais ici voilà, il m'a dit écoute, je lui dis comme ça, écoute-moi bien Jonathan, tu viens étudier pendant les 10 jours de pénitence, sache-le que toute cette année tu vas étudier. Il a étudié pendant 4 ans, il avait même fait des cours de Gemara, il a beaucoup progressé. Tous les niveaux qu'on atteint durant les 10 jours de pénitence viennent, tout dans l'année, viennent parce qu'il y a eu les 10 jours de pénitence. Si vous voulez, c'est une tchouva, c'est 10 jours qui sont un cadeau. Et chaque jour de l'année, on répare tout ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte? Demain, Rosh Hashanah, on répare tous les premiers jours de l'année. Chaque jour, on répare tout ce qui s'est passé dans l'année. Donc comment ne pas saisir cette occasion, ce cadeau que nous fait Akadosh Baruch Hu? Ce que je suis en train de vous dire, c'est marqué dans le Rambam. Le Rambam nous dit la chose suivante. Bien que le fait de sonner du shofar, le Rambam, c'est un décisionnaire de la halakha. Il nous dit la chose suivante. Bien que le fait de sonner du shofar à Rosh Hashanah, il n'y a pas une raison valable. Vous savez, il n'y a aucune raison pourquoi on sonne du shofar à Rosh Hashanah. Mais on a trouvé une allusion dans les versets. Cette allusion s'appelle « Ouru, ouru, yishini, mishinatrem »« Réveillez-vous les endormis de votre sommeil. » C'est des versets des prophètes. Et introspectez-vous et venez retrouver votre créateur et faites tchouva. Viens Rosh Hashanah, on nous dit comme ça. Si vous voulez, je m'arrête au Rambam. Viens le Rambam me dire, tu sais Rosh Hashanah, il y a une mitzvah de sonner du shofar. Pourquoi? Parce que réveillez-vous de votre sommeil. Je comprends pas. On a dormi? Les gens ont dormi maintenant? Avant Rosh Hashanah, on dormait pas? Vous n'êtes pas venu à des cours? Les hommes se sont pas au moins levés un peu à des sklirot? On n'a pas essayé de s'introspecter? Quoi, j'ai dormi? Arrive demain, jeudi matin, on sonne du shofar. Réveillez-vous de votre sommeil. Vous avez dormi? Mais j'ai pas dormi, je comprends pas. J'ai essayé de m'arranger. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette teshuva de réveillez-vous de votre sommeil? D'accord? Alors, une personne qui dort, c'est qui vit pas la réalité. Je vais donner un exemple. On avait rendez-vous, on a fixé un rendez-vous avec des amis. On devait se voir à 2h, dimanche après-midi. Le gars, il arrive à 5h. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu sais, j'ai fait une sieste d'un quart d'heure, je me suis allongé. Quelqu'un qui dort, c'est qu'il ne vit pas la réalité. Mais je peux être réveillé et être endormi. D'ailleurs, si vous avez remarqué souvent, il y a des enfants, dis-moi, tu dors debout? Réveille-toi. Tu vois pas ce qui se passe? Tu dors. Des fois, on peut dormir debout. Ça veut dire quoi? Ne pas être conscient de la portée qui se passe autour de nous, c'est de dormir. Ne pas donner la valeur à ce qui se passe autour de nous, ne pas être conscient de l'intensité des moments qui passent autour de nous, c'est comme si je dors. Les 10 jours de pénitence sont d'une portée terrible. À partir de demain soir, tout se joue pour nous, tout se joue. Et on atteint des niveaux exceptionnels avec n'importe quelle chose. Vous savez ce que m'a dit ma femme? Je vous pose une question. Si jamais une demoiselle fait... Bon, je vous souhaite que vous fassiez des prières. Je vous souhaite de faire la tefila ou à chaque jeune homme de faire au moins une tefila par jour. Je pense qu'il y en a qui peut-être qui la font. Mais je vous souhaite. Quand vous faites une tefila à la maison, je sais pas, vous faites minha ou une tefila. C'est considéré comme si une demoiselle, mademoiselle Benon, vous faites la tefila. C'est considéré comme si vous avez fait une tefila. Si vous la faites dans les 10 jours de pénitence à partir de dimanche, lundi, c'est considéré comme si vous êtes avec un groupe. Vous vous rendez compte? Avec 10 personnes, avec un minyan. Ça a une portée terrible. Ça a une portée terrible. Donc ne pas utiliser, ne pas rentabiliser ces moments, ne pas leur donner leur valeur, c'est comme si je dors. C'est comme si je dors. Et ces 10 jours, regardez ce que je suis en train de vous dire, ces 10 jours qui n'appartiennent pas à ce monde-là, ces 10 jours qui appartiennent à Olam Haba. J'avance des choses qui font peur. Il faut que je le prouve. C'est 10 jours qu'Hachem nous donne en cadeau qui appartiennent à Olam Haba, à l'autre monde. Je vais vous le prouver. Vous savez que le calendrier solaire est de 365 jours. Le calendrier solaire. C'est là le soleil. Et le calendrier lunaire est de 355 jours. Non, 355 jours. Il y a 10 jours d'écart. La lune est le symbole de ce monde-là. C'est le monde de l'obscurité. On ne sait pas ce qui se passe. On a pris 3 enfants, il y a une guerre à Gaza, il y en a qui meurent. Et oui, on voit des gens, on voit des grands rabbinim en train de souffrir. On voit des gens qui réussissent, alors on sait pas ce qui se passe. On est dans le monde de l'obscurité, le monde du questionnement. Où est Hachem? On n'avait pas ce qu'on... C'est le monde de la lune, tout est obscur, on ne se comprend pas. Et le monde de... Ça c'est la lune, c'est 355 jours. Le monde de Olam Haba, c'est le monde futur, c'est tout est clair. Quand on va arriver plus tard à 120 ans à Neavetrim chez Akoshbou, on verra que tout est limpide. C'est le soleil, tout est clair, il n'y a aucune question. Tout est géré par Hachem. Ça, c'est le monde de Olam Haba, du monde futur. Il y a 10 jours qui séparent le Olam Haba, le soleil de la lune.
nous dit le Gaon de Vilna, ceci correspond aux 10 jours de pénitence. C'est 10 jours que Hachem nous a donné en cadeau, qu'il faut absolument s'investir, et chaque seconde c'est un diamant. Chaque seconde on ne peut pas s'imaginer. Et je vous assure que tous les niveaux que nous atteignons viennent du fait parce que dans notre vie il y a eu des 10 jours de pénitence. Même si on n'a pas l'impression, c'est 10 jours terribles. Donc ça veut dire que quoi? Quand le Rambam vient me dire, dis-moi, tu te réveilles, tu dors, tu dors debout, c'est quoi? C'est qu'il y a une intensité que si tu te comptes, si jamais tu te comportes naturellement dans ces 10 jours, si tu dors, tu es en train de dormir, tu ne te rends pas compte. Je vais donner un exemple, regardez. J'ai inventé un exemple, je vais donner un exemple. Est-ce que quand vous êtes en Eretz, et vous êtes à Yerushalayim, vous avez rendez-vous au resto? J'appelle. Où est-ce qu'on va? On se voit à Mamila, d'accord, tu vas réserver une table, on va à la pizzeria, on est au téléphone, c'est normal. Messieurs, mesdemoiselles et messieurs, si vous êtes au Kotel, vous êtes au Kotel maintenant, regardez, et vous priez au Kotel, on vous appelle, est-ce que vous répondez au téléphone? Bon, peut-être par politesse, écoutez, je suis au Kotel, je peux pas te répondre, je suis au Kotel, s'il te plaît. Maintenant, vous êtes en train de prier au Kotel, et vous voyez quelqu'un à côté de vous, une demoiselle, bon, vous êtes chez les dames, elles sont en train de prier, et vous voyez une dame à côté qui répond au téléphone, une demoiselle. Allô, ça va? Tu vas bien? Très bien. Écoute, bah écoute, je vais avoir du retard pour le resto. Je pense que... Écoute, tu me commandes telle pizza, et puis je pense qu'il y aura des amis, on va faire un buffet dessert. Écoute, qu'est-ce que tu prends? Bah on va voir, on verra tout à l'heure. Tu dis, non, elle sait pas où elle se trouve. Elle est en train de dormir. Mais elle se rend pas compte où elle est. Elle est au Kotel. Mais tu parleras de ça après. C'est ne pas être conscient de ces 10 jours, c'est comme si je dormais. Pourtant, on est réveillé, mais on n'est pas conscient. Je vous garantis que chaque effort que vous allez faire à partir de demain soir jusqu'à Nevilat Yom Kippour a des intensités sur toute l'année. Vous savez qu'est-ce qu'on dit après Yom Kippour? On fait 7 fois Hachem Wa Elohim. Hachem remonte dans les cieux. Maintenant Hachem est proche de nous. Maintenant Hachem est très proche de nous. C'est dommage de perdre ces occasions. Voilà cette tshuva, la tshuva de Ourou Yeshelim Yeshelatrem, réveillez-vous de votre sommeil. C'est une tshuva qu'il faut mettre le paquet sur tous les plans. D'accord? Alors, maintenant que j'ai parlé de la période qui est d'une grande intensité, d'accord? Je voudrais parler maintenant du jour de Rosh Hashanah. D'accord? Parce que j'ai parlé d'abord de la période, qui est d'une intensité terrible. Maintenant, demain soir, sur quoi nous sommes jugés? Quel est notre devoir ce jour-là? Et deuxièmement, quel doit être notre... Sur quoi Hachem nous éclaire? Puisqu'on dit que Rosh Hashanah, c'est ma lumière, c'est Ori, c'est ma lumière, c'est ma lampe halogène. Donc sur quoi Hachem nous éclaire dans l'année, d'accord? Hachem, sur quoi il nous éclaire durant l'année, donc à Rosh Hashanah, c'est un jour de lumière. C'est un jour de lumière. Et Hachem, sur quoi il nous éclaire, sur la chose suivante, c'est que tout ce qui t'arrive durant l'année, tes joies, tes peines, tes galères, tu as gagné de l'argent, tu en as perdu, tu as cassé avec ton fiancé, ou tu t'es fiancé, ce que tu veux, tu arrives à voir au chat que tout vient d'Akajou, tout vient d'Hachem. Tu as cette lampe halogène qui t'éclaire que tout vient d'Hachem. C'est moi qui dirige tout ça. Durant l'année, tu t'attaques toujours au bâton. Ah, c'est à cause de lui. Ah, le problème, mon travail, ça marche pas parce qu'il s'est mis devant moi. Un tel, ouais, c'est à cause de lui que j'ai cassé, c'est à cause d'un tel. Et c'est à cause de l'autre, voilà, il est parti avec un tel. On fait toujours dépendre de la cause d'autrui. La véritable raison de tout ce qui nous arrive dans l'année, c'est Akajou qui disait nos peines et nos joies. Et tu arrives à voir ça à Rosh Hashanah, Hachem te clarifie, il te montre que toi, il te montre le Emet, et tu arrives à voir tout ça. Et il faut prier que ça continue. Vous allez voir qu'on aura parlé tout à l'heure de la Tfila, il faut beaucoup, beaucoup prier ce jour-là. Je ne veux pas le dire, je vais en parler qu'à la fin de la Tfila, mais c'est très important, c'est une journée où Hachem nous éclaire, c'est une halogène, une lampe halogène, où il nous éclaire sur nos problèmes. Et tout ce qu'on pense être des peines ou des joies, tout ça vient d'un tel, c'est pas à cause, c'est parce que c'est Hachem qui m'a mis une lampe halogène. Je vais vous donner un exemple qui est très élevé, excusez-moi, je vous l'ai dit à l'avance. C'est pas de mon niveau, peut-être du vôtre, moi c'est pas de mon niveau, mais c'est un peu élevé ce que je dis, mais c'est bien de savoir qu'il faut viser très haut. Vous savez, il faut savoir viser très haut, non, il faut être ambitieux. Vous savez que le roi David, tout le monde, je pense que tout le monde fait des télims, le roi David Ameler. Le roi David Ameler, il a eu le mérite d'être le quatrième char. La quatrième roue du char Merkava, vous savez le char céleste. Le char Merkava, c'est un char, bon c'est dans la Kabbalah, c'est des notions qui sont très élevées. Il y a quatre roues, les trois premières c'est nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et la quatrième roue c'est David Ameler. Quel est le mérite de David Ameler? Pourquoi il a le mérite d'être le quatrième roue du char céleste? Bon, vous allez me répondre, ah il a écrit des Teilim. C'est un roi important, il s'est sacrifié pour son peuple, vous allez me dire c'est ça. En fait c'est quoi la raison? C'est lorsque un personnage illustre dans la Torah qui s'appelle Shimri ben Gera,
est venu l'insulter en public. Le roi David était le roi. Il a la couronne royale. Une fois, il était avec sa cavalerie, en train de sortir avec toute son armée, et Shimei ben Gera est venu l'insulter en public. Il a dit, avant de vous poser la question, parce que David est un juif, c'est un bâtard. Il a humilié en public. Le chef d'armée a pris son épée, il a dit, laissez-moi lui couper la tête à ce chien, qui est en train de t'humilier. Qu'est-ce qu'il lui a répondu David Ameler? Ani Heo, Hachem Amarlo Kalel. Laissez-le. C'est Hachem qui lui a dû me maudire. Il n'en est pas voulu. C'est, ça vient d'Hachem. Ça vient de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un t'envoie bouler, ta femme t'envoie bouler, tes parents vous envoient bouler, tout ça, c'est une épreuve, sachez d'aller à Gauchebon. J'ai dit que c'est très haut niveau, mais c'est pas ce mérite que David Amer ait le mérite d'être le roi de la quatrième roue de Chamberkava. Si on arrive à voir dans notre vie, tout est lié à Hachem, Hachem, montre-moi l'origine de mes problèmes, voir où j'en suis. Tout vient de toi, donc après, il n'y a pas de problème. Hachem nous éclaire. Mais si on fait dépendre toute notre vie d'eux, c'est à cause d'un tel qui m'a pris mon boulot. Ah, ça travaille pas, c'est normal, mon patron il est embêtant. Alors là, c'est à cause d'un tel, je trouve pas mon vasal. Mais pose-toi la question, demande-toi des choses. Sache-le qu'Hachem t'éclaire tout. C'est la source de tous tes problèmes, c'est à cause de vous. Et ne t'attaque pas au bâton, sache à la source. Donc, ça, le travail de Rosh Hashanah, Hachem vous éclaire. Et qu'est-ce qu'il nous demande à Rosh Hashanah? Il nous demande une seule chose. Il nous demande, sache-le une chose, qu'il faut qu'il me fait régner sur vous-même. La Gemara nous dit comme ça, on doit proclamer des versets qui ont trait à la royauté afin de faire régner Hachem sur nous. C'est le jour de Rosh Hashanah, on a un devoir de faire régner Hachem sur nous, que Hachem il est le Meler, c'est lui qui est le Dieu, et je veux qu'il soit le roi sur moi. Quand je dis le veux, pas que je dis seulement Hachem Meler, Hachem il est grand, Hachem il est roi. Je veux qu'il soit sur mon cœur, il cohabite en moi, je sens Hachem dans ma vie. Il faut arriver, vous savez de quoi, ce que je prie pour l'instant, je prie depuis quelques semaines que Hachem il m'aide, et d'abord je prie ça pour vous, c'est avant tout, pour vous, qu'Hachem nous aide à ce que le journée de Rosh Hashanah je ne sois pas messie à date, que je ne déconnecte pas, que je suis devant la présence d'Akajou. Au moins ces 48 heures, qu'on soit connecté avec Hachem. Qu'on soit connecté avec lui. Qu'on ne perde pas de vue que c'est lui le Meler et c'est lui le grand. Et donc le but de Rosh Hashanah, c'est de faire régner Hachem sur nous-mêmes. Avec les tefilotes, avec tout ce qu'on va demander, d'accord? Maintenant, je vous pose une question. Quelle est la chose qu'Hachem il aime le plus? D'accord? Quelle est la chose qu'Hachem il aime le plus? Parce qu'on doit, proclamer des versets qui ont lieu à la royauté. Et on doit aussi proclamer des versets qui ont droit au souvenir. D'accord? Vous savez que Rosh Hashanah, il y a plusieurs noms. Ça s'appelle le jour du souvenir. Yom HaZikaron, c'est Yom HaDin, c'est un jour de jugement. C'est un jour donc de c'est le Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi donc? On doit proclamer des versets de souvenir pour que le souvenir d'Hachem vienne aux yeux. Pour que le souvenir des créatures vienne devant Hachem pour dans le bien. Je le dis en hébreu, pour que votre souvenir vienne vers moi en bien. C'est-à-dire que le souvenir doit venir vers Hachem dans le bien. C'est Hachem, souvenez-nous. Ah, écoutez bien. Le jour de Rosh Hashanah, c'est quoi notre travail? C'est est-ce qu'on trouve grâce aux yeux d'Hachem? Est-ce qu'on trouve grâce aux yeux d'Hachem? On doit être motzehen be'ela, le trouver grâce à ses yeux. Regardez, je donne un exemple. Vous avez souvent des amis, vous vous rappelez de vos amis, vous dites, ah, tu te rappelles un couple qu'on a connu en vacances? Ah, ils sont super sympas. Ah, quand je vois, ah, qu'est-ce qu'il est agréable ce monsieur, qu'est-ce qu'elle est agréable cette dame. Quand on se rappelle d'eux, on se rappelle d'eux en bien. Parce qu'ils sont agréables à nos yeux. Des fois, il y a un papa, ses 5 enfants lui font ce qu'il a besoin. Un, il lui débarrasse des courses quand il vient faire Carrefour. Un, il l'aide à faire son travail. C'est bien, il l'aide. Mais un autre enfant, il trouve beaucoup plus grâce à ses yeux parce qu'il est en train de lui faire ce qu'il a le plus besoin. Cet enfant, il est toujours en train de se comporter avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de savoir-vivre, toujours souriant. Et les gens disent, tu sais, tu as un fils, mais quel exemple? Tu as de la chance d'avoir un fils comme ça. Donc ça lui donne... Le papa est très heureux. Donc cet enfant trouve grâce à ses yeux. Le jour de Rosh Hashanah, notre but, c'est de trouver grâce aux yeux d'Hachem. Comme ça, quand son souvenir vient vers nous, il se souvient de nous en bien. Et maintenant, je vous pose une question. À votre avis, qu'est-ce qui fait le plus plaisir à Hachem? Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de sortir donc avec... dans quel domaine, quelle est la chose qui fait le plus plaisir à Hachem? Le plus plaisir. Hachem aime le plus. Alors là, j'aimerais vous laisser réfléchir. Une minute. Non, 30 secondes, je veux dire. Quelle est la chose... On doit faire régner Hachem sur nous-mêmes, d'accord? Mais quelle est la chose que Hachem aime le plus? Qui lui fait le plus plaisir?
Vous allez me dire faire cette filote, se rappeler de lui, donner de la tzedaka. Bon, je peux vous donner des exemples, je vous aide. Hein. Donner de la tzedaka, étudier beaucoup la Torah. C'est sûr, je suis en train de dire ça. Mais il y a autre chose qui fait le plus plaisir. Domaine, il a dit un truc. Comment ? Respect des parents, c'est pas mal, c'est juste, c'est très juste. Respect des autres. Excellent. Alors, mademoiselle Benhamou, la classe, c'est la classe. On va la garder encore. Voilà, bon, si c'est une semaine, la deuxième semaine, c'est, je vous dis franchement. Ah, c'est un CDI qu'elle a signé. C'est une folie, là. C'est une folie. C'est la grande classe. Hein. Regardez. Alors, je vais vous lire, si vous permettez, je vais vous lire quelques deux, trois lignes que le Gaon de Vilna est un être suprême. C'est lui qui a dit que les 10 jours de pénitence, ça vient de l'autre monde. Je vous demande de bien écouter, parce que, regardez, le Gaon de Vilna a écrit une lettre à sa femme quand il est parti en Eretz Israël. Le Gaon de Vilna, il habitait en Europe. Il a écrit une lettre à sa femme, ça s'appelle Igeret Agra. Et dans cette lettre, il a laissé sa femme et sa mère. D'accord ? À la fin de la lettre, voilà ce qu'il dit. Alors, je suis obligé de lire et traduire, si vous permettez. Il y a trois lignes. C'est très très important, c'est ce que dit mademoiselle Bellamou. Aouvati Imi, ma chère mère, il dit Aïdadarti, j'ai Natsicha le Moussar Chili. Je sais que tu n'as pas besoin de ma leçon de morale. Car tu es une femme d'une grande pudeur. Il dit à sa mère, t'as pas besoin de mes conseils. Mais je veux qu'on te lise toujours cette lettre, qui sont des paroles d'ivraie, et c'est des paroles de vérité. Regardez ce qu'il dit. Je demande aussi à ma femme qu'elle honore ma mère. Regardez ce qu'il dit le gars, il y a 300 ans cette lettre, elle a 300 ans. Je demande à ma femme d'honorer ma mère. Et en plus à ma mère qui est veuve, et c'est très très grave de la déprécier avec, oh ma belle-mère elle me saoule. Ouais, elle me saoule la belle-mère. Même ça c'est très grave. Et il dit comme ça, regardez ce qu'il dit. Vegam les mi même je demande à ma mère, il dit à sa maman, maman je te demande aussi, qu'il y ait le shalom entre toi et ma femme. Je veux qu'il y ait le shalom. Apparemment les problèmes de belle-mère existaient déjà depuis 300 ans, d'accord ? C'est pas nouveau, d'accord ? Et chaque femme doit réjouir l'autre. Veisha et Reuta Tisama Vedvarim Tovim. Kize mitzvah les chol adam. C'est une grande mitzvah gdola, c'est une grande mitzvah pour chaque homme. On demandera à l'homme le jour du grand jugement, lorsqu'on va arriver devant Hachem, on va comparer devant le tribunal céleste à 120 ans, qu'est-ce qu'on va lui demander? Est-ce que tu as étudié beaucoup de Torah? Est-ce que tu avais donné beaucoup de tzedaka? Est-ce que tu as aidé un tel? On va lui demander, est-ce que tu as haïm imlachta et travelcha ben hadroar? Est-ce que tu as fait régner ton ami sur ta tête? Est-ce que tu l'as considéré comme un roi ton ami, ton haver, ta copine? Tu l'as fait régner sur ta tête? Il faut le faire régner parce que le rov de la Torah, le Dune Gaon, rov à Torah, les Samer Benadam. Le rov de la Torah, la majorité de la Torah est de réjouir le cœur des gens. Toute la Torah n'est que pour réjouir le cœur des gens. C'est-à-dire, toute la Torah, tout ce que nous faisons quand on va à un cours, on étudie, on prie, tout ça, c'est aide-moi à ne jamais vexer mon prochain. Le niveau le plus haut qu'un homme peut atteindre dans sa vie, le niveau le plus haut qu'on ne pourra jamais dépasser, c'est est-ce qu'il peut témoigner sur lui que je n'ai jamais vexé quelqu'un? Et c'est ça le Gaon, il y a 300 ans, qui nous dit que Rova Torah les Samar Benadam. Et si tu veux que quoi? Que le roi soit honoré, tu veux que le roi soit honoré, Hachem, il faut que non seulement que tu le respectes dans les devoirs dans les mitzvot qu'il te demande, mais surtout que ses enfants soient en shalom. Il n'y a rien de pire de savoir qu'une maman, ses enfants, ses fils se disputent, il n'y a rien de pire que ça. Le Rov de la Torah est de réjouir le cœur des gens. Si vous voulez, ce que j'ai dit maintenant, vous savez, je vous assure que j'ai résumé, pas résumé. J'ai comprimé, on va dire. Bon, c'est normal. Ici, on est en train de dire, le devoir de Rosh Hashanah, je me résume, avant de passer au passage de la Tfila, d'accord ? Le devoir de Rosh Hashanah, et Hachem nous éclaire sur l'origine de nos problèmes, et Hachem nous montre quoi que c'est Hachem l'origine de mes problèmes, dans mes joies, dans mes smachot. Dans mes joies et dans mes peines. Et ce jour-là, on doit faire régner Hachem sur nous. Et surtout dans quel domaine? Dans Ben Adam, la Havéron, entre l'homme et son poil. Qui est, d'ailleurs, le groupe s'appelle Koulanou. Koulanou, nous sommes tous ensemble. Si vous, il n'y a pas de plus grande joie à Hachem quand il sait qu'on est en shalom. Et c'est très très difficile d'être en shalom, surtout avec les parents et les enfants, les frères et sœurs, tout ça, c'est très dur. Ça demande à chaque fois que je parle à quelqu'un, qu'est-ce que je lui dis? Je dis cette période, je vais le vexer. Cette période, je vais dire, mais elle va se vexer. Je dois être à l'affût de tout et réfléchir avant de vexer autrui. Mais il faut savoir, si je ne suis pas en shalom, j'arrive à gagner. J'ai rien gagné. Si on n'est pas en shalom, si on ne respecte pas les gens, si on n'est pas souriant, si on n'est pas une source de simha pour les gens, bah on n'a rien gagné. On a rien gagné. On fait notre Torah tout seul, on a rien gagné. Le but, c'est d'arriver à réjouir le cœur des gens. À savoir, est-ce que le Rav Torah, la majorité, est là pour réjouir le cœur des gens. Je dis des choses qui sont très élevées.
sont très très durs. Je dis, même pour moi, c'est évident, c'est très très dur. Comment y arriver? Il y a une seule chose, par la tefila. Regardez, par la tefila. Le jour de Rosh Hashanah, quelle est la différence entre la tête et les pieds? La tête et les pieds. Regardez, les pieds sont limités. On appelle ça Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Pourquoi on appelle ça Rosh le début de l'année? La tête. Les pieds sont limités. Ça, je peux marcher jusqu'à un kilomètre, après je suis fatigué. Les mains, je peux monter sur une estrade, je touche le plafond. Les yeux, je peux voir jusqu'à une certaine limite. Les oreilles, je peux entendre jusqu'à une certaine distance. Mais la tête, elle est infinie. Le jour de Rosh Hashanah, tu peux tout demander à Hachem. Même les choses impossibles. Je vous pose une question. Est-ce qu'une femme qui n'a pas d'organes génitaux peut enfanter? C'est impossible, vous êtes d'accord avec moi? À moins de passer par des éprouvettes ou par des problèmes des solutions contemporaines. Alors, il faut savoir que Sarah, notre matriarche Sarah, et Hannah et Rachel ont été, Hachem s'est souvenu d'eux à Rosh Hashanah. Même ces choses qui sont impossibles, Hachem peut le faire. On peut tout demander à Rosh Hashanah. Il faut savoir confiance qu'on peut tout demander. Et Hachem nous écoute. Le problème que nous avons, c'est quoi le problème? C'est que nous, on n'a pas confiance que Hachem nous écoute. On prie, mais on sait pas Hachem, on n'a pas confiance en nous-mêmes. On n'a pas cette ambition qu'Hachem nous écoute. Alors, permettez-moi de vous amener d'abord une Gemara pour vous prouver qu'Hachem nous écoute à chaque fois. Écoutez bien. Oui, je t'écoute. Alors, la Gemara dans Rosh Hashanah dit la chose suivante. Alors, deux personnes qui viennent, qui sont malades, Hachem Ishmor, Lo Alenu, Lo Alechem, qui sont malades de la maladie, vous avez compris, qui viennent, ils montent sur Ali, ainsi que deux personnes qui sont condamnées à mort. La Gemara dit comme ça. Un, il est sauvé, un, il est guéri, l'autre, il doit passer la... Il n'est pas guéri. La Gemara demande pour quelle raison celui-là, il est guéri, celui-là, il n'est pas guéri. Celui-là, il est sauvé, parce que celui-là, il a prié. Il a prié, et celui-là, il n'a pas prié. Et pourquoi celui-là a été écouté? Parce qu'il a prié, Hachem l'a écouté. Et l'autre, après, Hachem ne l'a pas écouté. Et la Gemara demande pourquoi il a prié, il a été écouté, l'autre n'a pas été écouté. Parce que, un, il a fait une tefila shlema, l'autre n'a pas fait une tefila shlema. Un, il a fait une prière entière, l'autre n'a pas fait une prière entière. Qu'est-ce que ça veut dire une prière entière? Une tefila avec kavana, en pensant, une tefila avec kavana, une tefila avec kavana, avec le bon esprit. D'accord? Voilà ce que nous dit la Gemara, que deux qui sont deux malades, ou deux qui sont condamnés à mort, un il est écouté, un il n'est pas écouté, parce que il fait une tefila avec kavana, l'autre n'a pas fait une tefila avec kavana. D'accord? Est-ce que la Gemara est claire? Est-ce que je vais poser une question? C'est clair, la Gemara est claire? Je vous pose une question. C'est-à-dire que l'autre qui n'a pas été écouté, est-ce qu'il n'a pas prié avec une bonne intention? Mais je comprends pas. On parle d'un malade qui est malade. Que le médecin a dit, ça c'est fini, il n'y a plus rien. On parle de quelqu'un qui est sous la guillotine. Je vous en supplie, soyez clément. Laissez-moi vivre. Il va pas prier de toutes ses tripes. Comment est-ce possible qu'on dise que celui-là, il a prié, il a été entendu, l'autre n'a pas été... Comment est-ce possible qu'on dise ça? Mais on parle pas de quelqu'un qui a prié pour rien, il risque de mourir. Les médecins l'ont condamné à mort. Et qu'est-ce qu'on dit en fait? C'est que celui qui a prié, des fois on prie avec Kavana, on prie. On sait qu'on s'adresse à Hachem. Mais on n'a pas confiance qu'Hachem nous écoute. On pense pas qu'Hachem nous écoute. On n'y croit pas. Ah, c'est pour ça. L'autre, il a prié, il n'y croyait pas de moi. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, tout ce que je prie, Hachem t'écoute, il peut tout te donner. La parnassa, la santé, ton mazal, avec qui tu vas te fiancer, avec qui tu vas te marier, où tu vas travailler, où tu vas habiter, tout est fixé ce soir-là. Et il faut y croire. Et même si je prie avec une bonne intention, il faut savoir qu'Hachem t'écoute, il n'y a aucun problème. Il faut absolument que Hachem t'écoute. Allez, je vais terminer avec une histoire sur le chauffard. Je parlais du chauffard et une histoire qui est très très tenante et très qui me tient beaucoup beaucoup à cœur et qui est une véritable histoire, qui est très poignante. C'est une véritable histoire. Alors, à quoi ressemble le chauffard? Non, je vais peut-être raconter d'abord l'histoire sur le. Vous savez qu'à l'époque, il y a donc il y a 200 ans, c'était très très dur d'aller en Israël à l'époque. Parce que bon, déjà, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait que des bateaux, et puis bon, le voyage était assez onéreux. Et les gens rêvaient d'aller en Israël, il y a 200-300 ans. Et une fois, il y a un bateau qui a pris la destination pour aller en Israël, et il y avait un grand rave qui était avec ses deux enfants. Il a demandé combien coûtait la place. Il dit, c'est pas cher. Il dit, écoute, ça tombe très très bien,
Je vais prendre moi mon fils de 8 ans, ma fille de 6 ans, et on va y aller, on va faire ce voyage. C'était un rêve pour eux. Et à chaque jour, le bateau, il avançait. Le bateau, ça prenait 2 semaines pour arriver là-bas. Et chaque jour, alors si on ne reste plus que 10 jours, plus que 9 jours, il se languissait. Quelle joie d'arriver en Eretz-Israël, vous vous rendez compte? C'est quelque chose de terrible. 8 jours, une semaine passe, et on nous reste encore une semaine. Mais c'était fallait voir la joie qu'ils avaient dans leur cœur, comment ils languissaient ce Eretz-Israël. Arrive donc 2 jours, les enfants n'arrivent plus à dormir la nuit. Le papa ne peut plus dormir la nuit. Et la veille, déjà le capitaine du bateau, il dit, vous savez, demain nous arrivons, nous serons à 400 km de la Terre Sainte, et tout le monde n'arrive pas à dormir la nuit, c'est fabuleux. Mettre les pieds en Eretz Israël, c'est quelque chose de fabuleux. Le matin, il se lève, les enfants, ils se lèvent, le papa et le fils, on voit, oui, on voit 5-6 km, 8 km, on voyait un peu l'horizon des montagnes. Oui, on va y arriver, ce soir on va arriver ce soir. Et malheureusement, le pire arrive. Il y a un ouragan, une tempête. Il y a une tempête et le bateau commence à bouger. Le bateau commence à bouger, à chavirer. Et tout le monde, la grosse vague fait complètement basculer le bateau. Il lance des barques, rien à faire, il y en a qui se noient. Il y en a qui n'arrivent plus à s'en sortir. Et malheureusement, ils arrivent. Le rave, qui était très robuste, il dit à son fils et à sa fille, attrapez-moi sur les épaules et je vais nager. Ils l'ont attrapé sur le corps, ils ont commencé à nager. Il a commencé à nager, les vagues, ils venaient comme ça, ils baissaient la tête. Nager comme ça, ils baissent la tête. Et lui, il était fatigué parce que les enfants l'attrapaient. Il nageait, il était à 3 km. Mais 3 km avec deux enfants qui le tiennent et des vêtements, c'est très très dur. Très très dur, c'est presque impossible. Et il arrive, le rave n'avait plus de force. Il était épuisé, il n'avait plus de force. On dit comme ça que malheureusement, ils allaient se noyer, parce qu'il n'avait plus de force. Et je ne sais pas comment il a fait, vous savez, on n'est pas à sa place. Il devait lâcher un des enfants. Sinon, il mourrait. Il devait lâcher un des enfants. Il a dit à sa fille, écoute, lâche-moi, on va mourir. Lâche-moi, que je sauve un des deux. Vous rendez compte comment c'est dur? Comment il pouvait choisir entre sa fille et son fils? Mais en tout cas, l'histoire est comme ça. Il a dit à sa fille, lâche-moi, on va mourir maintenant, on ne peut plus. Je vais mourir, je m'en vais soigner maintenant. Au moins que je sauve ton frère. La fille a entendu ça, elle a dit, papa, tu es mon père, tu ne peux pas m'abandonner. Je suis ta fille, papa, tu ne peux pas m'abandonner. Quand le père a entendu ça, il a repris des forces, la fille l'a attrapé par le pied, il a nagé jusqu'à qu'il arrive, il a fait les 3 km de large. Arrivé sur la rive, il a dit à sa fille, tu sais ma fille, quand je t'ai dit que je n'ai plus de force, je n'ai plus de kohot, je n'ai plus de force, c'est vrai, j'allais mourir. Mais quand je t'ai entendu, tu m'as dit, papa, tu es mon père, tu ne peux pas m'abandonner, j'ai redoublé de force. Voilà le sens de la tefila que nous devons dire à Hachem demain soir, tous les jours. Tu es notre père, tu ne peux pas nous abandonner. Impossible. Tu es notre père. Tu dois nous donner la santé. Tu dois nous donner ce qu'on a besoin pour vivre. Notre mazal. Donne-nous notre simha, notre joie. Tu ne peux pas nous abandonner. Et c'est comme ça qu'on doit crier. Le chauffard, je termine avec le chauffard. Le chauffard, c'est un kol melodibour. C'est une voix sans parole. C'est un son, le chauffard. C'est une voix sans parole. Vous savez qu'on dit que pourquoi on sonne du chauffard? Parce que Hachem, il est assis sur sa chaise de Midat Hadin. Il a une chaise qui s'appelle Midat Hadin. C'est la rigueur. Et quand on entend le chauffard, il est embrouillé. Il s'assoit sur la chaise de la miséricorde. C'est quoi le symbole? C'est un enfant, des fois, qui se comporte très mal. Il est polisson, il n'écoute pas ses parents, et sa maman en a marre. Il goûte, j'en ai marre. Quand papa rentre, et tout à l'heure, tu vas avoir une correction. Le papa rentre à la maison. Le papa rentre à la maison. Il dit, comment il s'est comporté, Shlomo? Oh, il a pas arrêté de faire des bêtises, il m'a encore saoulé, c'est pas possible, j'en peux plus, il veut pas m'écouter. Écoute, tu rentres dans ta chambre maintenant, tu rentres tout de suite, je vais te corriger. Le fils, vous savez comment il se passe, il rentre dans la chambre, il claque la porte, comme ça, comme d'habitude, comme il est énervé, et sans faire exprès, il met son doigt, il se blesse au dos. À ce moment-là, il commence à hurler, à pleurer. Le père appelle vite l'ambulance, il appelle vite les secours, il embrasse son fils, il lui met un bandage, et tout est oublié. Parce que quand on crie à Hachem, quand on l'implore, on crie, c'est un col mélodibourg, c'est une voix sans parole, Hachem a oublié de nous écouter. Notre filote que nous devons faire à Rosh Hashanah sont les suivantes. Hachem, je t'en prie, tu es mon père, tu ne peux pas m'abandonner. Redonne-moi ma santé,
Donne-moi ce que j'ai besoin, ma simha, tout ce que j'ai besoin pour te servir. L'argent, c'est pour te servir. Aide-moi à venir étudier des cours. Aide-moi à venir à toujours tous les mardis ici à Koulanou. Aide-moi à progresser. Aide-moi à... tout ça pour te servir, pour te glorifier. Ce jour-là, on peut tout demander. Tout est, même l'impossible peut être demandé. Alors, Iratson, que encore plus cette année, je termine comme ça, encore plus cette année, nous devons remercier Hachem. Pourquoi ? Parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de miracles avec la guerre il y a 2 mois. Énormément de miracles. Et ne serait-ce que cette pensée, cette reconnaissance de notre Créateur doit nous pousser à le servir, à le remercier. Parce qu'il y a eu tellement de miracles qu'on ne peut pas s'imaginer comment on doit le remercier. Donc demain, si je me résume, j'ai terminé le cours, je me résume en une minute. Nous allons passer une période de 10 jours de pénitence qui sont 10 jours qui appartiennent au monde futur. Et chaque tfila, chaque chose que vous faites a des retentissements sur toute l'année. Et dans quel domaine on doit le plus travailler entre l'homme et son prochain ? Dans la simha, dans le shalom, dans Koulanou. Nous sommes tous liés à Hachem. Et si nous sommes en shalom, automatiquement, on est en train de glorifier notre Créateur. Et nous, tout passe par la tfila. Si on prie du fond de notre cœur, alors que je vous écoute, et c'est un jour d'ambition. Alors je vous souhaite d'avoir une bonne année, Shana Tova Mtuka. Pourquoi on dit Mtuka? Parce que l'année est toujours bonne, elle est toujours bonne l'année. Mais même malgré ces épreuves, malgré ces problèmes, ces tensions que nous avons, elle est toujours bonne. Mais on souhaite qu'elle soit Mtuka, elle soit douce. On l'apprécie tout en douceur. Voilà. Merci beaucoup.